Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel vidéo art. Oh shit, avec épisode 27. Ouais, Je c'est sais ça. pas, c'est toi qui gères ça. Ouais, bon, de toute façon, En tout épisode. cas, il y a juste une petite particularité avant que tu commences à jouer. Là, il fallait quand même expliquer le truc, c'est que Oui, parce que dernièrement, c'est Konecar qui a joué, sauf que là, bah, on s'était dit un truc, c'est que ça fait longtemps qu'on est pris dans une boucle où en fait, c'est moi qui fais tous les boss. Et Konecar avait envie de changer ça, et il avait envie de faire le boss de ce chapitre. Du coup, il a dit qu'il allait directement enchaîner et que du coup, bah, en fait, comme ça. Ça va lui permettre de faire le boss et comme ça on rééquilibre un petit peu. Voilà. C'est exactement ça. Sauf que là, Voilà, on est un peu voilà pourquoi bloqué. vous voyez Bébard de Vegas Faire l'outro, l'intro de une cette deuxième vidéo. fois d'affilée. Oui. Voilà. Par contre, c'est quoi ce bordel là? Attends, je comprends rien. Ok, là t'appuies, ça va monter. Je suis d'accord. Là, j'appuie, ça va descendre. Si t'appuies les deux en même temps, là, tu peux pas faire charger au milieu? Attends, non, je sais pas. Ça bloque tout. Non, Attends, je je vais voulais dire un coup. Razor. Attends, je vais aller voir lui là. Et toi la brune, tu cherches des chances. La seule chose que tu possèdes, pousse, c'est de la terre. Ah oui, il y a un truc avec de la terre. Désolé, je ne t'en dirai pas plus, sus, alors file. Y a pas un amas de terre On avait été là? Ah longue. oui. On peut pas aller ici parce que lui, il faut de l'eau, il faut des bulles. On ne peut pas. Compliqué cette histoire, voyons. Ouais, c'est un casse-têtard ici, hein. Un Jean Castétard. Lui, il est communiste, il est content. Oh putain! J'ai voulu électrocuter ce pédard là. Ce pédard, lol. Cette insulte est vraiment drôle. Bon, ça nous. Attends, fais gaffe, je crois qu'il y en a un autre là. Enfin, je dis fais gaffe, mais je parle à moi en fait. Oui, c'est Mais clair. On a vas-y! 794 pièces. Bah maintenant, tu en as loupé une d'ailleurs. Lol, merde, j'ai pas fait gaffe. Bon, tant pis, c'est qu'une pièce. Ah oui, il y avait lui, il nous a dit qu'il faut lui ramener. C'est quoi lui son histoire? Oh, je suis Il a donné de Pinocchio! la terre. Rose t'a dit de lui ramener. Ah, tiens! Elle aime la Botard! Par-dessus tout, elle est très narcissique. Tu ne trouves pas? Tu as besoin d'aide d'art? Hein, je vais t'aider. Il fallait aller la voir en fait, elle. Ces arbres et moi, nous sommes en contact. Alors, si je chatouille ses racines, peut-être qu'une baie cristal tomberont. Ah. Ouh. Putain, on a bien fait d'aller là, hein. D'accord. Fiu! Oups, ce n'était pas très féminin. Rose devrait être contente avec cette baie. Ouais, j'ai envie de te dire, les fleurs n'ont pas vraiment de sexe, donc voilà. Je parle d'elle au féminin car c'est une fleur. Ben, en fait, les fleurs elles ont deux sexes. Là, on va lui emmener sa putain de baie cristalline à l'autre, elle va être contente. Saline. Saline! Hey. Ah, tu trouves quelque chose? Oui, une baie cristalline! Staline! Que c'est beau, je l'adore, elle est bien plus belle que cette vieille pierre rare. Tu ferais bien de te dépêcher et de la donner à Mugard. Dis-lui bien que c'est grâce à... Ouais, c'est ça, ta gueule. Tu l'aurais donné avant, elle serait peut-être pas aussi fanée que ça, tu vois. Hein? Lol. Putain, Cette c'est une vieille rose. pierre. Je vais appeler les abeilles, elles vont venir te prendre de pollen. On la reverra plus. Dites au revoir à cette plante, on la verra plus jamais de votre vie de... Voilà, voilà, c'est bon, on la voit plus. D'ailleurs, le puits, l'autre, il a dit qu'il fallait pas jeter de pièces, mais... Bah voilà quoi, on peut pas vraiment jeter de pièces dans ce jeu. Et non, parce que Mario est radin. Il va pas donner ses pièces. Il a même un truc pour se faire rembourser, alors tu vois. Oui, voilà. Et oui, c'est Mario, hein. C'est bien ici, hein. Ouais, c'est bien là. Quand Allez. il fait les consultations, enfin consultations, quand il vient réparer ta tuyauterie, il prend cash, hein, Mario. Eh oui, hein. Pas Direct, croire, hein. hein. Plus gros tarif. Is. Il fait des gros C'est tarifs en bon. plus avec l'inflation J'ai là. la pierre rare. Lol. Vite, pose-la dans le trar. Eh ben non. Oh merde, j'allais me barrer, mais ça a pas marché du coup.
Waouh, je savais pas que mettre une pierre au fond d'un lac faisait venir de l'eau. C'est magique. Lol. Oh, un arc-en-ciel, c'est trop beau. Et Mario, là, il a un jet dans le cul. C'est con. Normalement, pour se faire soulever comme ça, le jet, il doit être puissant. Et en plus, comme c'est dans son cul... Il est pas mou. Il était mou, le jet. Oh, c'est bon, on va pouvoir prendre les bubules pour ensuite aller chercher les bubules, pour aller donner les bubules à la plante qui veut les bubules, et voilà. Oh, c'est de l'eau. De l'eau. De la source est à nouveau remplard. Je flottard, quel paradard. Merci bien, tiens, voilà un peu d'eau miracle de ma source. Waouh. Ah ben voilà, c'est pour faire pousser les graines. La lumière du soleil. C'est l'eau qui est nourrissante des environs et qui est infusée à moi. Si tu te sers de l'eau miracle sur une plante, elle grandira énormément. Maintenant, car il n'y a plus de soleil, lol, un petit malin... Attends, on va pas nager avec Crop Top. Oui, non, mais l'autre, il... Nager avec Crop Top, c'est comme si que... Bah, c'est tu te noies, en fait. Bah oui, voilà. Non, j'allais dire, nager avec Crop Top, c'est comme si que tu montais dans un bus et le chauffeur de bus, il avait pas de bras. Voilà. Ça revient exactement au même. J'étais en train d'imaginer Doug Collins manchot sans bras. Mais bon, bizarrement, je faisais jamais de strike. Parce que ça. Pas bizarrement en fait, c'était. C'est dur à faire un strike, hein. Faut bien. Voilà. Après, c'est que quand j'étais petit, hein. Maintenant. Ça peut changer. Pas avec, avec les machins. Ça dégueule une bulle en fait. Ouais. C'est les bulles dans Mario Bros. Oui, là. Tu sais, tu t'appuies sur elle, t'es dans une bulle. C'est pas génial ça! Elle tombe un... Elle éclate sur un pic et Mario meurt. Oh, le fils de. Oh, putain! Oh, un Kamek Jado! T'as vu? Et franchement, je vais refaire encore cette réflexion, mais les Kamek, ils ont été éparpillés dans chaque chapitre! Oui. C'est un Kamek Jado! C'est un. Mais j'ai coupé pavé comme vert. Je dois admettre que les communis. Les écologistes, c'est bien joli et super cool. 11, putain. Il peut augmenter par magie la défense des autres. Il a l'air beau. Là, y'a plus personne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Putain, il a fui tel un écologiste qui a pas eu. 50%. Ouais, voilà. Ça veut dire en gros quand Jado il personne le soutient, bah du coup il fuit parce qu'il a plus rien dans les pourcentages. C'est voilà. Exactement ça. Oh, c'est quoi ce... Ça va, j'ai cru que c'était un piège. Un morceau d'étoile à rien terre. C'est qu'un détail. Hein. Oh non, putain, pas eux. Vas-y, oh, calme-toi là. Attends, Attends, parce que ça faisait... tout ce qu'il a acheté, ça faisait pas. Il y a même pas. Comment pas. Imagine catastrophe, gitan vénère. Amant pas dans ma oreille, amant pas. Soyez sur room sans avocat. Oh, pas me diquer là. Le sang de votre car, vous allez manger. Moi j'ai pris des sous-sauts, moi. Ah, y'a un trou là. Ah oui, c'est logique. Oh. Méga coup. Méga car. Putain, mais on est en retard sur les pébards alors. Hein. Il était là, il est en haut. Vous permet de faire un méga coup pour 6 PF. Non, mais alors ça doit être vraiment un méga coup. Hein. Ouais, mais est-ce que ça touche tout le monde? Parce que. Bah, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever PF plus, sus, et on va tester. Voilà, de toute façon, mieux, c'est pour tester. Eris, Arisa. Attends, peut-être qu'on on va avoir un boss. Hein. Wow, il y a une tour, c'est la tour de Carbo Crocard. Oh, lol. Carbonara. Ah bête. Et on a boom bête. Et en plus tu avais. On aurait dit que tu l'avais prévu. Bah c'est que je l'avais tout à l'heure parce que j'avais fait sauter un machin. Lol. Ah ça marchait. Ah d'accord, bah, ça va tout... Oh non, ça va tout défoncer. Non, ça fait ça. On verra plus. Lol. Il est mort. Oula. Pitting. Oula, ça me. C'est le soleil ça, non? Ah c'est le soleil. Le soleil, ouais. Il se fout là. Eh hey, bonjour. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un grimpe ici. Je suis le soleil, lol. Non, ce n'est pas totalement vrai, j'étais le soleil. Les nuages qui sortent de la machine des nuages...
m'empêche de monter en haut dans le ciel. Je suis un mauvais soleil et toutes les fleurs et graines en souffrent. Oh, c'est triseau. Où est-elle la machine d'un nuage? Je crois qu'elle est à l'est d'ici. Il me semble que les nuages viennent de là-bas. Pourquoi t'en préoccupes-tu? Tu crois que tu peux la mettre hors d'état de nuire? Non, il n'y a pas de solution. Ne te fatigue pas, reste paisiblement chez toi. Mais non, 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 vas-y, ne dis pas qu'il va y avoir une énième énigme là. Où est la machine à nuages? Je crois qu'il y a quelque chose à faire. Dans la logique, le soleil n'est pas dans les nuages, il est au centre du système solaire. Voilà. Oui, déjà. C'est un faux soleil, c'est un imposteur. Et puis il fait jour, c'est pas logique. Bon voilà, c'est un jeu, tu me diras, mais. Faut aller balayer des nuages. Est-ce qu'il faut aller parler à l'autre gogol là pour qu'il nous dise que les nuages. Enfin, qu'ils nous disent la prochaine des trucs. En train de m'occuper de mes pastas. Hé, attends, mec. Ah. Oh, c'est pas le crâne d'œuf, j'espère. Oh non. Ah non. What? Hé, mec, je ne crois pas qu'on s'est déjà vu, n'est-ce pas? Tu es bien Mario. Ah, ça va être un partenaire. Je suis Lucky Lester. Non, c'est Michael Jackson. Ah oui, Pico. Ouais, je suis Pico. Bon, laisse tomber. Il sait même plus comment il s'appelle. Je n'ai rien contre toi, mais... Je prends mes ordres. Désolé mon vieux, mais je dois t'infliger une bonne correction. Ne m'en veux pas, hein. J'avais l'air cool, hein. Ah ouais, mortel. C'est un mini-boss. Os. Merde, putain, j'ai pas bon barrière. Prends la sauce. Putain, elle va nous casser les couilles lui encore. Bon, alors vas-y, indique-moi ce petit Lakitar. Il prétend s'appeler Picard, on dirait un Lakitu. J'en ai jamais vu de. Vu d'aussi bizarre. Mais, oh putain, 50! Il lance des œufs piquants. C'est moi ou il donne plusieurs noms? Pico, la Killester, El Pico, américain, le nazi. Oula. Oh le pédard. Là, on commence mal parce qu'on a que 10 PF et. Attends, non. Génidar. What Paralyzar? Ça a pas marché, lol. Putain, on pourra pas tester le marteau. C'est con. Oui. Alors ça devrait le faire normalement. Ça devrait le faire. Il est mort. Normalement. Ouais, c'est bon. Je crois que le coup de ventraire de Sushi fait que 4 hein, ou 3, donc je prends pas de risque. Voilà. 7. Les lunettes, elles étaient Google. Nouveau niveau, augmenter. Nickel, parfait. Augmenter les P-bar. Ouais, les P-bar. On va pouvoir tester. Bah, de toute façon, on va mettre défense plus, sus. Oui. Le méga coup, on verra plus tard. T'es fort comme un phacogère, mec, je me rends. Vas-y, achève-moi, je n'ai pas peur. Fais-moi ce que tu fais à ce que tu as vainqueur. Une fleur de feu dans l'œil, un bloc peau dans le nard. Attends. What? Oh non, Lucky Lulu! Non, je t'en prie, épargne mon gentil petit Lucky Lester! Oh, je m'appelle pas Lucky Lester! C'est Pico, tu t'en souviens? Je t'ai dit que j'avais changé de nom le mois dernier! Oh, pourquoi tu t'amuses à m'embarrasser ainsi? Mais bizarre, ça me fait t'apprécier encore plus! Sus! Je veux dire non! L'ai-je dit à voix haute? Bon, oublie ça! En tout cas, j'ai perdu le duel d'homme à homme! Eh mec, j'ai une question, pourquoi te bats-tu? Quoi? Parce que Pico c'est mille fois plus sympa, la Killester ça pue la merde. Putain, il dit vraiment ça. Et il est un peu comme Goombario, tu sais, il prend la grosse tétard. Hein. Ça ne colle pas bien au redoutable Robert. Ouais, mais j'aime un peu plus genre. Le nom n'est pas. Ce n'est pas d'importance. Qu'est-ce que je raconte? Le nom n'est pas important. Ce qui importe, c'est que j'ai décidé de t'accompagner, tu es le meilleur. Voyager avec toi, c'est vraiment très cool. Oh non, Lucky Lester, tu ne peux pas me laisser, emmène-toi avec moi. Oh, Lucky Lulu, calme-toi, calme, comprends-moi.
je fais ça pour toi, tu ne le vois pas ?» Et qui est sûr rejoint le groupe. Appuyez sur le pour qu'il vous emmène au-dessus de la lave et des pics. Ok. Ah oui, ça va être un rope top en mieux, ça. C'est un rope top en mieux, oui. Ok, voilà, nickel. Bon, bah... Oh, mon Lucky Lesser, reviens vite. Je t'attendrai avec un sourire. Elle. Allez. Allons, et en fait, en plus, il va aller affronter son boss. Oh, mais c'est trop bien. Mais c'est Yoshi. Mais c'est excellent. Ouais, c'est pas mal. Ah là, c'est notre Yoshi, hein. C'est... Bon, c'est... Voilà. Ah, mais attends, on peut aller là, du coup. C'est... LOL. Ah, d'accord, j'ai compris. Eh ouais. Ouais. C'était bien ça. Casse-tête à la Kong, hein. Retourne à gauche. Ça va descendre le verre en deux fois. Allez Mario, arrête de sauter là. Enfin, c'est moi qui fais sauter, mais arrête de bouger. Et là, bah non, ça marchera pas. Attends, si, le verre. Putain. Voilà, c'est ça. Oh, mais laisse tomber, on a passé au moins 5 minutes sur cette connerie là. Dégage. C'est, il fallait bien terminer avec le violet, ouais, c'est bien ça. Ouais. Ah, y a un truc là. Ouais, on va pouvoir améliorer la Lucky Lesser. En vrai, vas-y, on améliore qui. Parce que la Lucky Lesser, il a rien. Il est peut-être fort, hein. Il apprendra Cumulo Nimbus pour éviter les attaques adverses. Chiantes et tout. Voilà. J'espère qu'il est fort, hein, ce Lucky Lesser, parce qu'il nous a pas prouvé sa valeur encore, mais il a l'air déjà chouette parce que c'est notre voiture. Oui. Regarde, même plus besoin de passer là-dedans. Regarde comment on prend la grosse tétard. C'est incroyable. Plus besoin de passer dans les troncs d'arabes. Oula, il se passe quoi là? Goombario. Oula! Ouais. L'aile. Bon, et c'est quoi le bordel? Vous faites quoi là? Oh non, oh, machine de la nuit, oh machine à nuages, crache des nuages, assombris, accongris tout ce qui est vert, fun et tout. Arrête, laisse-moi tranquille, mec, tu vois pas que je serai rien. Mais pff, ah, et notre cerveau, il est si malin. J'aime tant les nuages, si le monde pouvait être couvert, ce serait fantastique, hic. Et toi, tu aimes les nuages verts? Ah, t'es recherché, tu es Mario! Les amis, c'est Mario, nous devons l'arrêter avant qu'il se casse la magie à nuages! Lol, ils viennent de réagir que maintenant. Tout ça pour indiquer un putain de vénéneux Kamek, là? C'est un Magikoopa jaune. C'est un des polos du clan des Koopas. Il est jaune comme un truc jaune. PC Max 11 puissance 3, il peut donner à ses compagnons des pouvoirs électriques, Claude François. Lorsque ses cohortes sont électrifiées, ce n'est pas le moment d'attaquer ou bien ou IIR. Corps, ils sont pas mortadelles, hein. Non. LOL. T'as vu? Défense plus, sus. Sus. LOL. Bah écoutez, vous savez quoi? Allez vous faire enculer, j'ai pas envie de me battre en vous là, vous pétez les couilles. Ah, regarde comme il fuit, c'est bouffon. Trop cool Mario. Et si on réglait le sort de cette machine à nuages? Évidemment. Oui, voilà, faut la tabasser. C'est une caravane maintenant. C'est Lopez. Il y a Lopez dedans. J'ai un chariot dans la bouche, espèce de putain. Waouh, les nuages sont partis, le soleil est revenu. Je suis cursed.
Oh là là, la lumière du soleil. Oh, oh, c'est trop loin. Bravo, Mario, tu as sauvé le champ de fleurs. Putain, on va avoir un dialogue de tout le monde. Oh yes, youpi, youpi, je suis un tonton. Oups, je n'ai pas l'habitude d'être aussi mémotique. Une fois de plus, je peux voir un arc-en-ciel. Et tu le voyais déjà, en fait. Je suis à nouveau plein d'énergie. Yes. C'est si agréable de rendre service, je crois que j'y ai pris goût. Où vas-tu maintenant, Mario? Je te suivrai n'importe où. Bah, on va aller voir ton chef. Bon alors, ça y est, on peut enfin faire... Non, on peut pas. Faut parler à lui. Qu'est-ce qu'il faut faire, lol? Bah, faut aller voir le soleil. Peut-être parler, non, le soleil est parti. Eh, Aster, laisse-moi te parler de deux choses. Tu trouveras un chouette cadeau si tu frappes les trois arabes dans cet ordre. Gauche, droite, puis milieu. Gauche, droite, milieu. Je te jure. Ouf, je t'en dis trop. Ouais, mais c'est quoi les arbres? T'as le souvenir de trois arbres ensemble? Non. Gauche, droite, milieu, donc c'est parti. Donc au fait, on a battu un barjot des arts dorés, voilà, donc on vous met un petit extrait parce que je filmais pas. Fils de pain, hein, merci pour le seul. Ce champ est infesté d'ennemis là. Gauche. Mais putain, mais ils sont combien là? Eh vas-y, je vais. Ça va être salé là. Ça a rien fait. Mais il se fout de ma gueule ce putain de chétiflor là. Alors comme ça, tu dirais de la merde toi? Eh Astar, laisse-moi t'apprendre quelque chose. Tu trouveras un chouette cadeau si tu frappes les trois arbres dans cet ordre. Oh putain, c'était gauche, droite, puis milieu. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi les arbres? Bah... Attends, c'est pas ceux-là. Bah pourtant, il n'y en a pas 50 des arbres au même endroit. Oh putain, ça commence à me saouler, hein. Allez, et puis... Et voilà, la douille de Nintendo. Moi, nous, on cherchait pendant 10 ans où aller, et en fait, il fallait aller à ce putain d'arbre pour nous dire qu'il fallait partir, et nous, on savait pas, parce que... Quand tu vois l'interaction avec une porte, tu te dis, bah, c'est pour se barrer, quoi. Ah oui, mais ils auraient pu faire une animation, où, genre, ils se placent devant et ils parlent à l'arbre, je sais pas, un truc codé pour qu'ils parlent à l'arbre automatiquement. Putain... Ah là là, vas-y, TG. Ouais, l'haricot magique, faut le planter dans la terre, c'est bon, on a compris. Magnifique animation, d'ailleurs. Ouais, hein, franchement, là, mettre des sprays devant, waouh, c'est magnifique. Hein. Et là, c'est pour aller au nuage, du coup, à mon avis. Ça, c'est exactement ça. C'est long. Waouh, un haricot de papier, enfin, du coup, une plante. Ça fait penser au mini-jeu, là, dans Mario Party 5. Des haricots, là. Ouais. Ça ressemble à une branche d'ADN, là. Wow, des nuages vénéneux. Putain, mais y a encore plein à visiter, en fait. Et ouais. Faut se taper tout ça. Putain, c'est long, hein. Et c'est en accéléré, hein. Abusé. Ah oui, c'est vrai qu'on a lui. Ouf, ça, on va le mettre, hein. J'ai pas vu ce que ça faisait. Ça augmente de 3 la puissance des sauts de Mario. Ah bah ça doit prendre cher, hein. À mon avis, faut... Non, 2, c'est tout. Oh putain. Pour faire un saut puissant. De 4 PF. Waouh. Faire du copy-paste pour rien. Oh putain. Un tas de caca. C'est pas lui? Ah, je crois bien que si, hein. Putain, mais c'est de la merde, sa vie. C'est toi, Mario? C'est toi qui as brisé la machine à nuages? Qu'est-ce qui t'a pris? Tu as annulé mes plans concernant le champ de fleurs. J'avais transformé celui en soleil en trois couverts de nuages. Mais un homme de ton intelligence ne peut sans doute pas comprendre. Ah bah oui, c'est forcément sûr. Je dois te prévenir que Bowser m'a ordonné de te vaincre si tu osais venir ici. Mais là, je ferai. Même sans ses ordres, tu ne sauras jamais l'esprit de toi, Glenny. Oh, il est dégueulasse. Et il est vraiment horrible. C'est une chiasse obèse avec des yeux communistes. Enfin, si... C'est un monstre nuage géant. 60, puissance 5, défense 0.
Son attaque de foudre est dangereuse si tu ne te protèges pas. Aïe, ça fait très mal. Si tu attaques un pfff, les petits pfff changeront leur nombre égal au point de dégâts que tu infliges. Oula. Mathématiques. Si tu épargnes le ouf, la Valra va générer ses PC. Ah ok, d'accord. Ouais, je viens de comprendre. Loul. Qu'est-ce que tu veux éviter ça, hein? Bon. Testons ce saut. Faut voir la hitbox déjà. Ouais. Ok. Hein? Ah, ça augmente la puissance des sauts de. Pourquoi ils ont pas fait un machin dans les stratégies au lieu de faire un badge pour ça? Lance des œufs. Lance des œufs et du jus de queue. C'est même pas des œufs, c'est des boules de pique. Ça fait 3, mais c'est nul. C'est nul, ouais. Maître, je veux vous aider, puis-je attaquer? Oui, déchire-le. On va se taper des dialogues comme ça à la con à chaque fois. Putain. Un peu chiant. Bah c'est surtout que j'ai pas compris pourquoi l'attaque de l'autre... Qu'est-ce que c'est que ces phases à spam là? Pas compris. Ah, il va se faire gagner de la vie. Ok, en fait, j'ai compris un truc. Oh putain. 19. Voilà. Ouais, d'accord, c'est quand même pas trop évident. Ouais, mais ça paraît logique d'un côté. Tu regardes, tu le tapes là, ils reviennent ces connards de Spire. Tu le relèves aussi ma tempête toute puissance. Mais pff, laissez-le moi. Vas-y, putain, dialogue de con là. Si je l'attaque avant, il... Si je me booste et après je vais me cacher avec la Killester. Ça va. Direct. 14. Fils de pute. Il est remonté à 42. Putain. Enfin, faut utiliser les œufs quand il en a beaucoup, quoi. On s'est compris. Là, par exemple, là, va falloir utiliser les œufs. Là. Et il va bouffer ses pauvres copains, là. Il n'en mangera que 2 et il gagnera que 4 au lieu de 19 ou 18, tu vois. Mmh. J'aurais pas dû faire ça en fait. Hein? Il est déjà mort? LOL! Attends, non! Eh ben. Nouveau Niva! Attends, on a pas fait 60? LOL! Bon, on va pas s'en plaindre, allez hop, PB. Plus de PA, je ne peux pas perdre! On va juste aller sauvegarder et voir ce qu'il va dire, ce qu'il a à nous dire lui là. Ouais, là. Parce que si tu le divises, ça reviendra comme si c'est moi qui devais jouer, mais bon. Bah, de toute façon, là, le prochain, ça va être toi. Tu vas enfin pouvoir jouer Peach. Voilà. Ah, bah, pour la deuxième fois. Et oui. La première fois que je l'avais joué, c'est quand t'avais battu le boss dans le. Oui, le oui, verre, c'est là. Ça. C'est ainsi que Mario et ses amis vainquirent et libèrent le sixième esprit étoile. Les sombres nuages survolent le champ de fleurs de son disciple, laissant place au soleil art. Il ne reste à sauver qu'un seul esprit étoile, attendant de revenir à Evretoile. Retrouverez-vous bientôt la princesse, peut-être, mais en attendant, Camille Koopa attend et observe avec impatience que vous commettiez un faux pas. Et voilà. La République. C'est moi!